Haute-Loire accueille ce week-end la finale du championnat de France d'enduro 24 MX. La dernière fois qu'on est venu ici pour une finale, c'était déjà en 2012. Il va faire beau, il va même faire chaud, mais en tout cas, ici, tout le monde de l'enduro aura forcément une pensée, même beaucoup, pour Mathias Bellino. Tu nous manques, Mathias, tu te battais pour le titre Élite 2. Ce titre qui tend désormais les bras à Loïc Larieux n'aura forcément pas la même saveur. J'espère que tu ressens toutes les ondes positives qui viennent d'ici et du milieu de l'enduro. On pense fort à toi. On va désormais revivre cette première journée ici à Brioude pour les catégories Élite, Junior, Féminine et Espoir. Et on commence avec les juniors E1 et la troisième position de Mathieu Van Ovelen. Le Belge a bénéficié de la pénalité d'Alexis Beau pour se hisser sur le podium, ce qui doit faire ce soir la fierté de Didier Valade, le boss de la Sherco Academy. En enduro, en France, un Belge peut en cacher un autre. C'est Antoine Maguin qui est deuxième ce soir ici à Brioude. Le pilote KTM a marqué le pas sur Espinasse d'entrée de jeu avec une première spéciale délicate où il ne prend que la quatrième place. Il a bien tenté de réparer son erreur en remportant les deux spéciales suivantes, mais rien à faire aujourd'hui, Théo Espinasse était le plus fort. C'est l'officiel Sherco qui remporte la mise et prend un peu d'air avant l'ultime journée au championnat où tout peut se passer comme on l'a vu cette saison. Le protégé de Jérémy Tarouk s'impose avec 18 secondes d'avance et compte désormais 12 longueurs d'avance au championnat. C'est presque plié. En junior E2, là aussi chamboulement au classement après la pénalité de Rudy Bardi, c'est Alexis Pichot qui monte sur la troisième marche du podium à l'issue d'une journée plutôt constante. Même s'il reste une bonne marche à franchir pour jouer la gagne, ce podium est encourageant pour le Vendéen. Léo Le Quéré doit l'avoir dur ce soir, lui qui pouvait profiter de l'absence d'Hugo Blanjou pour marquer un maximum de points et malheureusement tomber sur plus fort. Et le pilote TMX Centric doit se contenter de la deuxième place. Mais une belle deuxième place car ça a été la grosse bagarre toute la journée et 7 secondes seulement séparent le Breton du vainqueur du jour. C'est une première pour Syl de Clercq qui s'impose en junior en championnat de France. Après un premier tour parfait où il remporte les trois spéciales, le pilote LM Racing s'est accroché et a encore gagné quatre autres spéciales, tenant la dragée haute à Le Quéré. Le Blondinet doit être très heureux ce soir. Et enfin, en junior E3, on retrouve pour la seconde fois consécutive Valentin Richaud sur le podium. Le jeune pilote Gaz-Gaz est resté très constant avec 7 troisième places sur les 9 spéciales. Mais il termine la journée à 1 minute 25 de la gagne. Il faut dire que devant, on ne s'est fait aucun cadeau. Il a mené, mais ça n'a pas bien duré. David Abgral a débuté la journée très bien en remportant la première spéciale. Mais dès la deuxième, il a vu le retour de son plus féroce adversaire au championnat. Il marque le pas sur SP3 en prenant 3 secondes. Et ensuite, il n'a fait que courir après Debeau. Si les deux meilleurs ennemis sont arrivés ici à égalité parfaite de points au championnat, le pilote de la Sherco Academy accuse ce soir un petit retard de 3 points. Le voici, le nouveau leader du championnat junior E3. Comme ça a souvent été le cas cette saison, même s'il devait partager le fauteuil de leader avec Abgral. Valérian Debeau nous habitue souvent aux fins de saison tonitruantes et visiblement, on y a aussi droit cette année. Le pilote Husqvarna a remporté 5 spéciales dans la journée et boucle avec 5 secondes d'avance. Certes, c'est peu, mais ça suffit largement pour être seul leader au championnat ce soir, au moins jusqu'à demain matin. En élite E1, troisième position pour Jérémy Joly qui fait ici son jubilé. Le champion du monde junior 2011 raccroche les bottes demain soir, mais a toujours la forme visiblement, surtout en deuxième partie de journée où il est allé chercher le meilleur temps sur SP7. Bientôt retraité certes, mais qui donne du fil à retordre aux jeunes, puisqu'il n'est qu'à 2 petites secondes ce soir du deuxième.
Et c'est le jeune Jérémy Miroir qui est le pouli d'or du jour. Le pilote Husqvarna n'aura pas réussi à gagner son pari de remporter les deux journées chez lui, puisqu'il évolue à domicile, même s'il est licencié en Lozère. A l'inverse de Joly, il a surtout pêché en seconde partie de course et termine à 29 secondes de la gagne. Julien Gauthier est définitivement parti pour son tout premier titre de champion de France à 35 ans, mais il reste très prudent et ne veut surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le pilote Yamaha Bonneton de Roux a remporté 7 spéciales dans la journée et n'a surtout pas voulu prendre de risques incongrus qui auraient pu lui compromettre le titre. En catégorie E2, il y est abonné à cette position. C'est Antoine Basset qu'on retrouve à nouveau sur la troisième marche du podium. L'officiel Gaz-Gaz est passé à côté de sa deuxième spéciale, prenant seulement le sixième temps. Mais c'est bien repris puisqu'il a remporté les deux suivantes. Pourtant, la suite a encore été faite d'irrégularités qui ne lui ont pas permis de se battre pour la victoire. Il est ce soir à 16 secondes du vainqueur. Monsieur Christophe Nambotin, le pilote. Et on aurait pu penser que ça allait être sa journée. Jusqu'au bout, jusqu'au départ de l'ultime spéciale, Pierre Bissac, le pilote bêta, était en tête de la course. Et même s'il ne menait plus que de 3 dixièmes avant la SP9, pourquoi pas une victoire ici sur cette finale? Eh bien non, Larieux a mis le coup de grâce à la fin et Pierre Bissac a dû se contenter de la deuxième position de cette catégorie E2. Il s'impose ce soir, mais à l'issue d'une journée très difficile. Loïc Larieux n'a plus son adversaire favori, Mathias Bellino, blessé il y a presque 3 semaines en Argentine. Et du coup, forcément, si l'accident du pilote Honda joue sur tout le moral du paddock, il a aussi des répercussions sur ses adversaires, et qui plus est quand il s'agit d'amis. Mais en champion qu'il est, le pilote outsider s'est repris en seconde partie de journée pour remonter au classement alors qu'il n'était que 3e. Il arrache la victoire dans la dernière spéciale, mais également son 4e titre de champion de France Elite 2. Enfin, chez les grosses cylindrées de la catégorie Elite E3, pas vraiment de surprise avec un podium habituel. Et on a sur la 3e marche Romain Dumontier. Le Normand a réalisé sa meilleure performance sur SP4 avec le 2e temps à 4 petites secondes de Nambotin. Il est 2e ce soir à l'issue d'une belle journée où il s'est maintenu à bonne distance de Nambotin. Anthony Gesselin a même piqué une spéciale à son aîné sur SP5. 2 petites secondes d'avance, certes, mais 2 secondes sur Nambotin, ça représente beaucoup pour le jeune pilote basque. Il remporte ce soir sa 9e victoire de rang cette saison en championnat de France, mais surtout son 9e titre de champion de France. Christophe Nambotin a une nouvelle fois été impérial en Haute-Loire. Mais même avec le titre en poche, il ne lâchera rien pour demain et assurera toujours autant de spectacles dans les spéciales. Chez les Espoirs 125, en l'absence de Nathan Berrer, déjà titré, belle bagarre et c'est finalement Tristan Borel qui s'impose avec 18 secondes d'avance sur Kylian Lunier. Enfin, chez les femmes, le titre aussi est pris ce soir pour Justine Martel après une journée très difficile. Elle s'est blessée sur SP3 et a dû vraiment serrer les dents durant le 2e tour pour rallier l'arrivée. Elle précède la double championne de France, Juliette Berrez, de 14 secondes. Enfin, côté constructeur, ce sont les rouges de chez Gaz-Gaz qui sont montés sur la plus haute marche du podium et ils s'imposent devant Yamaha. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain matin en live au départ de la dernière journée du championnat de France d'enduro 24MX 2018. Et bonne soirée!